Et salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Wasteland 3. Alors, on avait dû couper la dernière vidéo suite à un petit problème technique que vous avez pu le voir lors des 2-3 dernières minutes de la dernière vidéo. Je m'en excuse, on a rectifié le tir et normalement tout devrait bien fonctionner. Donc, ce qu'on voulait, c'était avant tout se soigner. What do you need, Donc, Rangers? on va aller voir le médecin. On a besoin de That's what you soins, have a seat. oui, on s'installe, bien évidemment. Ok. I don't mind not having to clean and suture a festering wound. Ok, et ensuite, on voulait voir. Donc, ici, les fameux codes. Porte. Entrez le numéro que la Perla vous a donné. Vous saisissez le code et appuyez sur Entrée, la porte commence à s'ouvrir. Effectivement, elle n'a pas menti. Ah. Il y a d'autres portes partout là. Il y en a ici aussi, hein. Là, là. On voit pas les trucs secrets ici, là. Il y a une porte. C'est obligé, il y a un truc secret ici. Doit y avoir un autre moyen que d'utiliser. Bah oui. D'entrer le numéro que Perla vous a donné. S'éloigner de la chambre forte. Bon. Assistant personnel, truc d'un télo plus 1, c'est bien. Armure tank. Casque de tank. Jambière de tank. C'est violent. C'est hyper violent. Effectivement, il y a deux caisses. Il y a deux caisses. Est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup que je balance la petite Ali à une esclavagiste? Sûrement pas. Sûrement pas. Donc on va voir comment on fait ça. Alors toi. En fait, c'est toi qui vas passer en mode tank. Hein. Gros dur, armure, armure. 9. 6 et 6. T'as 6 d'armure en plus. Enfin, 6 de force. Donc c'est parfait. Armure de tank. Plus 9 d'armure. Paf, on est à 26 d'armure. C'est violent 26 d'armure. Hein. Et les jambières de tank. C'est très violent. Et pour le coup, oui, c'est un tank. On va vous donner vos points. Allez, Narev, on va commencer par toi. Attribut. T'es à 3, là, tu passes, t'es toujours à 4. Et là, tu passeras à 5. Ah, conscience. Ou intelligence. T'as besoin d'intelligence. Allez. Compétence confirmée, oui. Compétence apprise, arme automatique. On passerait niveau 8. On va passer comme ça. Avantage, oui. Choc. Ça, on n'en veut pas. 3 PA une fois par tour, ça on veut avec une arme automatique. Fusil d'assaut, marchandage, premier soin.
va te filer 35 points de constitution. Non, on va attendre. Tu vas attendre pour avoir ton avantage. Ensuite, Tessa. Tessa, t'es devenue hyper balèze. De la chance. De la chance. Est-ce qu'on veut que tu aies de la chance? Ça pourrait être utile, de la chance. Ça peut être très utile. Coordination aussi. Ça serait bien que tu aies... J'aimerais bien que tu passes à 3 points. Donc on va partir là-dessus. Compétence. 5 points. Trouver les objets cachés. Ah oui. On veut ça. Charmeur d'animal aussi. Et il te reste un point. Tu l'utiliseras plus tard, ton point. Confirmé. Quan. Quan. Mon ami Quan. Vers quoi on veut que tu t'orientes? La réparation de grille-pain. Nouvel avantage disponible. Résistance. On va faire ça. Il te reste 2 points. Oui, je pense que ça c'est pas mal. On a oublié de te donner tes attributs. Charisme, intelligence. Un petit peu plus. Dégâts critiques. Coordination, t'es à 3. Il te manque 2 points pour passer à 4. On va avancer là-dessus tout doucement. Tu as 8, donc tu as ça. Le premier soin, on connaît déjà. Qu'est-ce que tu as? Réparer les grilles pain cassé donne désormais une tranche de pain grillé. Ok, super. Dégâts. Bonus de dégâts de feu. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'on n'utilise pas... On n'utilise pas ça avec Quan. Du coup, je préférerais te filer en placement rapide à plus 1. Ouais. Parce que vu que du coup tu as premier soin, d'ailleurs on va donner la même chose à Narev. Emplacement rapide, plus 1, oui. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en ayant ça, du coup, là, tu peux te mettre des fléchettes. Voilà, Quan, tu peux mettre ça. Et une trousse. Là on est pas mal. On a une variété de choses. Très bien. Pyrrhus, donc attribut. L'intelligence, t'en as déjà pas mal. La coordination. C'est vrai qu'il t'en faudra que 2. La force, t'es à combien? T'es à 6. On va passer à 7. Compétence, oui. T'as 4 points. On pourrait faire ça. Permet d'infliger plus de dégâts, désarmement des mines et des pièges. On va voir après parce que toi, tu l'as pas. Ok. Donc tu as besoin de prendre ça. Et mêlée. Gros dur. Voilà, ça c'est pas mal. Avantage. Tu en as un, évidemment. Plus 2 d'armure, encore, ça serait bien. Mêlée aussi, ça serait bien. Coup étourdissant. Ah, plus 0,5% de vitesse. 2 armes. Sport de contact.
Les armes contondantes infligent des coups critiques aux ennemis sous étourdissement ou aveuglement. Ouais, les chances pas mal. Chauffer au rouge un véhicule avec votre lance-flamme. Ça, c'est bien. Agrandir l'arc. Ici, qu'est-ce qu'on a? Explosif, survie, modification d'arme ou d'armure. Et bah, tu vas rester comme tu es pour le moment. Ensuite, toi, attribut. C'est bon pour l'intelligence, la coordination, la conscience. Ou la force. Portée de lancer, coordination. Qu'est-ce qu'on aimerait que tu aies? Bonus de dégâts à distance. Bah oui. On aimerait ça. Compétence. 5 points. Ah mais toi t'as déjà explosif. Au niveau 6. J'aurais pas dû lui donner à lui. Bon c'est pas grave. Science étrange, truc d'intello, arme lourde. Oui faut que t'améliores ça. Hein. On n'a pas le choix. Hop, on va te garder ça. Truc d'intello. Explosif. Science étrange. Pour l'instant, on garde des points tels qu'ils sont. Ok. De fait, c'est une armure qui donne plus 6, ça. L'armure de Radtech. On n'avait pas une grosse armure de quelque chose là, je sais plus où elle était. Ah, plus 4 seulement. Bon. En revanche, toi, plus 5. Ouais. Toi, t'es à plus 4. Et bah, tu vas prendre ça. Voilà. Toi, idem. Ça c'est plus 5 jambière sauvage au 5 en force. T'as pas 5 en force, Quan? Non. Non. Pas 5 en force. Plus 4 ici. Ah oui, sinon on a marchandage et perception. Premier soin, Quan Grippin. Truc d'intello, c'était toi. Hein. Science étrange, truc d'intello, ouais, c'était bien toi. Du coup, tu peux prendre ça. Voilà. Attribut. Compétence. Qui a marchandage? C'est toi? Parfait. Inventaire. Toi? Ah, t'as les lunettes. Donc t'as déjà plus 1 en survie. Bon. Tout le monde a son petit bonus, sauf toi. Hein. Tout le monde a un petit bonus, sauf toi. Non, on essaiera de faire en sorte que ça change. Bon, on est pas mal pour le moment. Donc on va revenir. On va aller faire un tour du côté des pièces principales. Voir si on a quelque chose de neuf. Par contre, on peut se le dire tout de suite, hein, on ne va pas aider les esclavagistes. Please, Miss Hackett. Ah. There's no reason to get so angry. The hell there isn't! My people didn't start that fight. One of your rangers started it, and now you're telling me we gotta be the ones to give up our space? Alors, qu'est-ce qui se passe? I'm just saying. Oh, Team November, I'm glad you're here. There was an altercation in the barracks. Apparemment, oui.
Une altercation. Nothing serious. No one was hurt. Some harsh words and a shove. Sergeant Gretzky's already put the recruit on latrine duty. A fair punishment. Yeah, well, this isn't the first time your recruits have had harsh words for us Rangers. You need to get your people under control. Ok, alors vous, vous oubliez pas qu'on vous accueille gracieusement ici, hein. Gretzky's recruitment efforts have gone well, and HQ is filling up. More new Rangers every day, which is great for our mission, but it also means we're running out of beds in the barracks. Rangers are having to sleep in shifts. Ah, d'accord. Un problème de place. This is leading to friction with Miss Hackett's people, who, as you know, were there first. Some of the new Rangers don't understand this, and they think of them as, well, freeloaders. Hmm. Usually, it's just snide comments. But today, one of yours started shouting that we should be thrown out of our home before trying to pull Davy off his cot. Which is completely unacceptable behavior. Oui, surtout de la part d'un ranger. The problem's not going to go away if we ignore it. Oui. We need a solution before things explode. Ce n'était pas le premier incident? There have been plenty. Most of your rangers are all right with us, but there's more than a few who ain't. Calling us names as they walk past, or telling us we're on borrowed time here, in our own home. Hmm. Miss Hackett, I'm embarrassed. Part of the oath we take as Rangers is to protect the downtrodden. It hurts to hear that our recruits are failing to live up to that oath. Something must be done. Oui, tout à fait. Yeah? Well, we're waiting. Bon. We gotta get a handle on this one way or the other. Enough chaos going on outside the base. Don't need it when we get home, too. Merci, Quan. Well, the warden here suggested we move into the brig. I suggested she shove that idea up her ass and leave us be. We were here first. We don't take up much space, and you said the barracks were ours when you first showed up. But things have changed since then, and they're not going to change back. If we're going to live side by side, we both have to be flexible. Ouais, là je suis assez d'accord. Je veux que tout le monde cohabite. Si d'un côté il y a de la souplesse, il en faut des deux. Bon, voilà ce qu'on a décidé. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Quand on passe un accord, on le respecte. Vous pouvez rester là où vous êtes. Les Rangers qui ont un problème sont réprimandés. On ne reviendra pas sur notre accord, mais il va falloir procéder à des réajustements avant que quelqu'un ne se passe tuer. Il y a de la place dans la prison, déménager là-bas. On a une mission à accomplir. Non. Non, 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 non. Déménager. Excellent idea. You'll have more space, and it will keep you away from the malcontents. What? Alors. Vous savez qu'on essaie toujours de faire au mieux pour les réfugiés du Colorado. Cette solution n'est pas parfaite, mais comme ça, on peut garantir la sécurité des votes et leur fournir un abri. Guess you're right. I'll try to sell it to my people, and I appreciate your efforts to honor our deal under changing circumstances. On est des Rangers. They're not gonna like this. Alors, toi, t'es venu nous voir. You were most gracious to find new accommodations for those unfortunate souls. Bah oui, les bonnes manières sont-elles si vraiment importantes? Rangers, manners are... Let us both seek wisdom in the book chapter 60. So you see, Rangers. Manners, I would say your reputation has improved dramatically. Okay. I haven't heard of articles? Course, Rangers. It would be impolite not to share such tremendous deals. Ça, ça m'intéresse. Livre de compétences. Augmentation, réparation de grille peint. Je le veux tout de suite. Voilà. Exceptional job settling those disputes ahead of most une excellente journée. Oui, on va venir ici.
Oh là, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Always a pleasure. D'accord. Il se passe rien apparemment. Hein. On a des nouvelles choses dans le coin? Non. On va venir. Gretzky, au rapport. Rangers, good to see you. Pareillement. Ok, rien de nouveau. Ordinateur. Débloquer l'accès à l'armurerie du commandant. Et au point d'entrée classifié. Tout semble normal. Ok. Alors, vous les gars, l'armurerie. Vous allez venir ici. Ça. On y est là, hein? À l'armurerie. Est-ce qu'à l'armurerie, on aurait quelque chose de caché aussi? Tiens, Pyrrhus vient là. On va refaire ça. C'est l'année du terminal. Pyrrhus. Est-ce que tu veux bien venir ici, s'il te plaît? Ah, ordre d'approche reconnu. Ah ah! Là, on a peut-être découvert quelque chose. Ouverture de la chambre forte. S'éloigner du système. Oh! Oh, oh. Tout le monde ici, Tessa, tu peux venir également. Narev, toi aussi tu peux venir. Pyrrhus également. Tout le monde vient. Il y a encore une porte ici. Oh ouais, on a accès à plein de choses. Tellement de choses. Ordre reconnu, bienvenue. Petite sauvegarde, là franchement c'est cool. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de piège cependant. On avance. Ah, on n'a pas accès à cette pièce là. On va devoir s'en passer donc. Alors, pièce d'armes. Qu'est-ce qu'on a ici? Truc d'intello. Plus un. Et pas mal de soins, d'accord. Et ici, caisse d'armes. Un truc d'intello encore plus un. Marteau hydraulique. Niveau 23. Niveau 9 en mêlée. Ça tape fort. Et ici, fusil automatique, niveau 21, 7 en arme de poing. Waouh! 7 en arme de poing. Toi, t'as combien en arme de poing? Tu peux le prendre, hein?
C'est violent ça. Hein. C'est hyper violent. Tu vas le prendre. Franchement, joli petit secret découvert là. Je suis très content de nous. Donc de là, on va aller. Donc on avait fini ici. On va venir là. On va aller à la cantine. Nice place they got here. Classic. Yeah. I think somebody pissed on the floor right here. What kind of grand lit de la saison animals do a thing like that? Terrible. Huh. Why are my pants wet? Oh, Scotch Mo. Masato, mon ami, le roi des nouilles. Even if it's not the best place in HQ. T'as entendu la rumeur? Ok, qu'est-ce que vous cuisinez? Only the best ingredients for my Rangers. It's hard to bring Colorado together with the stomach full of bitter rations. On va en rester là. Il y a plein de soldats. Messieurs. Did you really let that synth you found downtown go? I was gonna bite you in half. Mais tout le monde est au courant, hein. Salut, Scotchmo. T'es encore vivant? Huh? Et il crapule. Who's that? Rangers? What are you doing here? I heard you was off in Colorado or somewhere. Welcome back. This calls for a drink. Cheers. Oh, good stuff. Is that you, Rangers? Why, I ain't seen you in a donkey's age. This calls for a drink. Cheers. Hey, who drank my squeezins? What kind of a place is this? Alors, premier soin. C'est triste à dire, vous montrez les symptômes d'une maladie de foie avancée. What do you know? I ain't had a liver for years. 3. On revient pas du Colorado, on est dans le Colorado et vous aussi vous savez. You're drunk. If we was in Colorado, there'd be snow all over the place and you'd all be wearing parkas. Bah ouais. You gotta cut back on the squeezings. Comment vous avez atterri ici? What do you mean? How did I get here? I've been here the whole time. How did you get here? Bon. You got a screw loose. Bah installe-toi et prends un verre. Hein. But I ain't here to drink. Nah. I'm here to sign up. I know you Rangers been going through hard times, so. I'm doing my patriotic duty, offering my services as a tired and true veteran. Give me a gun and point me at the bad guys. I'm. Ready? Lead on, Rangers! Évidemment, on te prend pas avec moi. Hein. On est très bien comme ça. Et ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Hein. Alors, on va venir au musée. 7A. 7A, check. 13C. 13C. 1B. 1B, got it. 2B. Not seeing 2B. Are you sure? Found it. Sorry, 2B. Good, okay. 4A. Yep, 4A. Et ben voilà, on dirait que tu t'y fais maintenant. Il y a plein de nouvelles choses. C'est cool toutes ces petites choses. Un récipient. Un disque boîte. Ouais, les vitrines commencent à se remplir.
Alors on a un terminal ici. Journaux récupérés. Examiner les journaux du personnel. Truc d'intello. On peut en récupérer d'autres. Et là, on est au bout. Voilà, je pense qu'on a lu tout ce qu'il y avait à faire. On n'a pas les journaux du personnel. Ouais, on n'a rien de... Les journaux de sécurité, on n'a rien de nouveau à débloquer. Non. Ok. Voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait ici. Donc on pourra pas gratter de nouveaux points. C'est dommage, hein. Donc venir là. Ah si, on a ça de nouveau. Puisqu'on s'était fait les clowns. Les paiso. Il y en a un autre. Ah non, mais c'est le même que tout à l'heure. C'est juste que j'avais mal tourné ma caméra. Ok, ah, ça c'est fait. Ici on n'a rien de nouveau. Ça se remplit hein, tout doucement. Ici non, on n'a rien non plus. Bon, on va aller voir du côté de la caserne maintenant. Ça devrait se changer. Jail cells better than nothing, I guess. We'll still be warm and safe from the gangs. Careful out there. It's bah ouais, an uncaring world. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Veste. Chevalier fait maison. Plastron blindé. Non, non, on veut rien faire. Revenir au jeu. Voilà, on reste comme on est. On apprécie notre look. On va descendre vite fait à la prison. Voir s'il n'y aurait pas un petit quelque chose de nouveau. I done nothing wrong and you know it. I know you did what you did with the best of intentions, but it still broke the laws of Colorado. Yeah. Oui, on le sait, what else could I have done? You could have asked for assistance, gone through proper channels. Rangers. Alors. I know I advocated for freeing that fellow we found locked up in here. Kinda hope we won't regret it. Now, what can I do for you? Mama Cotter has been a little difficult. I'm not gonna lie. I don't think I know anyone that uncompromising about their ideals. Yeah, bah oui. I don't even think she's that wrong. She just... But she oui, did break oui, the on law. Sait, on sait, good luck on sait bien there. Tout ça. On sait bien tout ça. Elle est pas mauvaise, elle a voulu bien faire. Hein. Mais on, nous, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire. Cela dit, rien ne nous empêche de discuter. At least I got good company here now. I'll take a refugee for a neighbor over a ranger any day. Bon. Alors, si tu veux le prendre comme ça, prends-le comme ça, hein. Chilblains, Tremons, who can tell? Allez, on va y aller. Normalement, il aurait dû y avoir. Troisième œil, tigre et tueur quand il veut. Thank you.
Où est-ce qu'on a vu qu'il y avait des poulets? Voilà, je pense qu'on est bon. Allez, on va aller au garage. Stay sharp. Non, oui, pas de soucis. On va donc aller au garage. Et on va prendre notre bon Kodiak. Quitter le quartier général des Rangers. Monter dans la voiture et se rendre sur la carte du monde. Oui. I have good news. There's some new gear here next time you stop by. Bah, je viens juste de partir. It's a big improvement over the basic stuff we had before. D'accord. And one last thing. The Patriarch commissioned a sculptor to make a statue of Vargas outside our HQ. He's nearly done, but he'd like to know who we want to dedicate this statue to. D'accord. Les Rangers tombés au combat. Good call, November. Making sure the Rangers know they'll be remembered if the worst comes to pass may boost camaraderie. Bah oui. I'll pass it along. Over and out. Ok, donc on avait deux endroits à aller. Ferme des Huns, ça c'est fait. Denver non découvert. La ferme de la famille Gett. Et ensuite le bunker de l'armée des monstres. Allez, on est parti. Direction la ferme de la famille Gett. Par là, ça a l'air. On va descendre ici. Là, on est bon, je crois que par rapport aux radiations. Ah, là, il y a quelque chose. Bâtiment abandonné, pas beaucoup mieux qu'une tente de luxe, mais ça protège du vent. Passer la nuit pour récupérer. Fouiller l'endroit. Découvrir si quelqu'un a laissé des choses intéressantes. Crochetage, une réserve protégée par un cadenas. Munition calibre 45. Combustible pour lance-flammes. Scopote instantané. Chiotte de poche. Ok. On aura eu quelques petites choses. Effectivement, on est arrivé à la ferme. Donc là, c'est l'autre passage. Ok. Et bien, allons-y. Donc, si je me souviens bien, ici c'était prise d'otage. Après, il faudra qu'on retourne au bizarre. Plus dense que l'eau. On va faire une petite sauvegarde. Randy Gaït, salut! Ouais, on s'occupe de ta famille, t'inquiète pas. This man's been torn apart. Oh, look.
Wolverine tracks. Des empreintes de moutons. Ils sont nombreux, hein. C'est ça. Tu peux déjà en tuer un, non? Si tu t'accroupis. Allez, on tente. Oh! On va tuer en direct. Donc c'est bien. C'est très très bien. Le truc, c'est que... Ok. On va se mettre comme ça, accroupi. Ça, Marshall. 67. 77. Voilà, c'est la même chose. Virus. Voilà. Tu vas venir ici, tu te mets comme ça. Ce sera pour le prochain coup. Tu vas venir là. Est-ce que je peux faire quelque chose? 39, 40. On va se mettre comme ça. Lucia, évidemment tu vas faire ça. Je vais mettre en embuscade. Ok les gars, allez, pointez le bout de votre nez. Je pense que vous avez pris cher. Aïe. Ah oui, toi aussi t'as pris très cher. Tour d'un allié. Oh merci. Oh ça c'est joli. Toi. Alors toi si tu passes en mode fusil à pompe. S'il te plaît tu recharges. T'avais pas rechargé. C'est pas possible ça. Là normalement ça devrait le faire. Toi. Tu prends combien là? 85%. Raté. Magnifique. Je suis épaté là. 62. Pyrrhus. T'as 19. T'as pas réussi à la voir, hein. Ok. Tout le monde est bon. Ouais, toi tu y as pris un petit peu, hein. Tiens. T'as qu'à te mettre un petit pommade. Tu vas attendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Du 5,56, on prend.
choses intéressantes. Ici, on va fouiller aussi. Calibre 38. Objet enterré. Intéressant. Un canon, un colombrum. Ou un colombum, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. On pourrait aller par là. Faire ça déjà. Voilà, c'est très bien. Allez, petit hippomède. Voilà, comme ça tout le monde est bien. On va venir faire ça là. Oh le lapin. De grenade. Très bien. Ça tombe bien. On manquait de grenade. Qu'est-ce qui se passe là? Chef de montagne. J'ai l'impression que c'est pas glam ce qui se passe ici. Désamorcer les explosifs ici, oui. Boîte à outils, qu'est-ce qu'on a? Pose de réparation. Piégé. Il y en a beaucoup. Si je fais ça, si j'ouvre pour la chèvre des montagnes. Il y a quelque chose par là à trouver ? C'est la même, sauf qu'il y en a un peu beaucoup. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se mettre comme ça. Pyrus ici. Lucia, tu vas te mettre là dans le coin. Et ça, évidemment, bien derrière. Narev, tu vas te mettre là. Victoria ici. On va faire sauvegarder comme ça. Tout le monde va s'accroupir. Voilà. Et ça, tu vas venir là. Tu vas t'accroupir. Tu vas te préparer à tirer. Et un poil juste, on va sauvegarder un petit peu. Si tu viens de ce côté plutôt, tu t'accroupis, tu te prépares à tirer. Là on est bien, tu vas pouvoir tirer sur celui-là. Les autres après vont se planter. Aussi. Là, on a bonus de 2 PA. Alors, les gars, on va faire ça. On va faire ça. C'est quoi ça?
frappe torrentielle. Hein. Ouais, ça va être bien ça. Allez. Ok, alors là vous avez commencé à prendre cher. C'est ça. Tu vas venir là. Et bien évidemment, tu vas tirer. Bien insuffisant ? Non. Tu peux tirer là-dessus quand même. Ça c'était joli. Ça c'était raté. Alors, donc on a dit 2 PA pour tout le monde. Donc tu vas me faire ça. Alicia Wesson. Un truc comme ça là. Alors ça donne ça. Là tout le monde y a bien pris hein. Pense. Ok. Voilà, petit coup de cocktail Molotov. Là. Ensuite, tu viens ici, 70, 71, c'est une blague ça? Non, allez. Quan. Tu vas venir ici, tu vas faire ça. Pierus. Tu vas me balancer un coup de lance-flamme encore. Tu vas même t'avancer pour le faire. Allez, vous allez tous brûler. Ça c'est pas mal. Ensuite, toi, tu vas venir jusque là. Sérieux? Voilà! Bien joué les gars! Je suis fier de vous. C'était un joli combat. La fourrure. Beaucoup de fourrure. Toujours de la fourrure. Rien que de la fourrure. Petit crochetage ici. C'est pas là, je vois ce qui s'est passé ici. Hein. Kidnappeur en difficulté. Message du preneur d'otage. Elle est folle, elle mange tout le monde.
ransom note was the dumbest idea Corby ever had. Nothing to do for weeks but stare. By the time Roscoe found the old man's liquor, everybody was ready for a taste. Of course, that's when the boy made a run for it. Didn't get 10 steps for run. Everybody started yelling then, waving their guns around and calling each other fools. Don't know who shot first. Guess it don't matter much now. Roscoe's dead. Corby never should have come here. I tried to tell him, but one of them dumb fuckers ever listened to me. En jugé par la façon dont le corps est habillé, il doit s'agir d'un bandit des plaines. Il devait faire partie des ravisseurs. Examinez le cadavre. Ce corps est en meilleur état que les autres qui gisent autour. Il a plus de chair contrairement aux autres. Les doigts de sa main gauche et les doigts de la main gauche de ce cadavre sont intacts. C'est le nez du cadavre. Quan, c'est bon là, ouais. Allez, sur toi. Tu vas mettre un survirus. Tu vas en mettre un sur Victoria. Et enfin, tu vas en mettre un sur Lucia. Thank you, kind. De rien. Maintenant, on va finir de tout fouiller. Much obliged. Très bien. Ça compense à ce qu'on vient d'utiliser. Lance-flamme de niveau 11. Combustible lance-flamme. Cartouche du jouet. Du jeu, jouet, c'est tué. D'accord. Bon, c'était pas terrible hein, ce qu'on avait là. On va continuer de fouiller. Partie sauvegardée, oui. On arrive. Alors, on a encore un bâtiment ici. Une fléchette. Et là, il y a encore Nina Nitaget. Partie sauvegardée. Eh ben, la jeune fille recouverte de crasse et de sang est assise à côté d'un corps à moitié dévoré. Elle mâche bruyamment ce qui semble être un foie humain. À votre approche, elle se tourne vers vous. Elle a le regard lointain, celui d'un esprit dérangé. I think we got a live one here. Ouais. Who are you? You're not my family. You go away now. I'm sorting through dreams for my brother. Unless. You have some more candies? Des rêves pour votre frère? Root beer flavored dreams for my brother. He's real nice. Randy. He always said we'd build us a place one day. Me, mommy, daddy, and him. We'll all live. Do you want some of these? They're my very last ones. The gummies say it's okay to chew on them. It's respectful. And bien they sûr. Taste so sweet. Okie dokie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Bad ici? Bad men came from the flatlands. Mummy and daddy left. Then the doggies came for the candy and mummy and daddy and the bad men are gone but there's As broke as a dropped plate. No. Maybe we should put... No. No. Mommy said never trust a stranger. Daddy said never take... If you bring me some candies, then I will be your friend. There were some candies in the other house. But they're scary doggies. I know. You go get the candies, and I'll stay here. Okay. Bye-bye! On va faire une petite sauvegarde. Est-ce qu'on peut fouiller avant? Ouais, tu vas nous laisser fouiller, tranquille. Clé de la ferme. Ok, il n'y a rien d'autre ici. Hein. Boîte à grenade. On va venir là. On prend les doigts pour
Ornita. C'est pas très ragoûtant, hein. Allez. Mais bon. Et cannibale. Hey, it's you again. Oui. On a d'autres bonbons. Even out of kindness. Ooh, those are my fit. Yay, I get to go on a trip. But is it okay if we brought some of my other friends? That one's Spot, and this one's Jill. And they're kind of shy, and they don't like the dark, and I don't want to be alone. Non, là, 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 là. Allez, on y va. On va se dépêcher. C'est tellement glauque. Moi, qu'à un moment, qu'elle crut que c'était la chèvre. C'était pour ça qu'elle était enfermée. Mais non. Pas du tout. Mais alors, pas le moins du monde. Nia? Nia, Andy. Is that you? I don't know how to thank you, Rangers. My little sister, safe and sound and all in one piece, but... Wait, what about everyone else? What? Oh, thank you, Rangers. I'll deal with this. It's a family matter after all. And Nita, she deserves to be with the family. We'll speak again soon. Okay. Promise. Randy? I can't believe you brought Nita back to me. Okay, Rangers. On se retrouve plus tard, hein? Thanks, Nita. My brother's dreams are sorted. Got any candy? Cabane. Cabane. Oh, ok. On n'a pas vraiment le choix. Bon, on a terminé ici. Donc maintenant, on va pouvoir partir. Ok. Allez, dans le Colorado, oui. Donc ça nous fait une quête d'accomplie. Je pensais qu'on aurait à retourner au bizarre justement pour le voir, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a terminé? Alerte radioactive, des intrus. Mon corps en a besoin. Plus dense que l'eau, ouais, c'est ça qu'on a terminé. Ensuite, on va aller faire cinéma vérité. Et pour ça, on va aller au bunker. Cela dit. Ça, ici. Ah, ennemi repéré. Des dorsets. Les éviter. Bon, on va aller par là. On passe par là. Ah, il y a quelque chose ici, c'est un marchand, il semble. Famille O'Leary. Howdy, name's O'Leary. We say, in mais fact, ouais. Was gonna donate this at your HQ when we got to CO Springs, but you're here, so here you go. Anyway, we ain't ate in a while. Was hoping we could trade you some things for money to eat. Allez, tiens. Well, that's good to hear, Rangers. Thank you. We'll spread the word in the camps. Comment ça se passe à l'est? Worse every day. Haven't alors, seen a martial out faire. Oh, thank you. It ain't much. Casque tactique. Jambière tactique. Je sais pas, en termes de munitions... Ah, on a tellement de choses... en termes de munitions, là-dessus on n'en a plus beaucoup. 7,62, 5,56. Peut-être des hypomèdes, ça vaut 39. Bon.
Revolver de l'armée. On va rester comme ça un autre jour. En tout cas, ravi de vous avoir vu. Bon, bah, c'est ici, hein. Non, non, ça c'est le bizarre. Faut qu'on descende par là. Il y aura tout ce coin-là aussi à revoir, hein. On avance. D'accord. Pas ici. Attends, on peut venir là maintenant. Est-ce qu'il y a des choses par ici? Bon, on va pas partir par là. Ça me semble être un long chemin. On sait pas où ça nous mène. Pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on sait faire et de des lieux qu'on sait où ils se trouvent, où ils sont localisés. Là, il y a quelque chose aussi. Bunker de l'armée des monstres. Monstrueuse, une femme portant un masque de hockey abîmé sort d'un vieux van déco et d'une peinture d'un loup-garou chevauchant Pégase. Hey, it's the Rangers. I'm She Monster from the Monster Army. Love how you guys been helping us out. You want to trade? Oh bah ouais, pourquoi pas. Hang on. You've been so good to us monsters. I'm gonna give you a prezi first, just for stopping by. Here. C'est sympa ça. Allez. Il n'y a pas de gang plus cool au Colorado que l'armée des monstres. I know, huh? Thanks for recognizing. Alors, à quoi ressemble la vie? On s'en fout, hein. Let me open up the store. Qu'est-ce que tu as à vendre d'intéressant? Qu'est-ce que tu nous as donné d'ailleurs? Fusil d'assaut niveau 18. Carreau d'arbalète. Oula, ouais. Ouais, là c'est du gros radioactif, là. On n'est pas capable de gérer ça. Du coup, on va faire ça. Passer la nuit pour récupérer. S'occuper des blessures de votre escouade. Ok. C'est pas mal ce genre de petites choses, hein. Pétrole. On va éviter de t'écraser, toi. On a rien contre toi, justement. Là, il n'y a rien. Le bunker. On s'en rapproche. Doucement. Ah, là, j'ai vu quelque chose. Bah, ça doit être ça. Hein. Ouais, de toute évidence. On va quand même terminer de faire le tour. À l'heure.
petite sauvegarde dès qu'on sera rentré. Allez. Le bunker de l'armée des monstres. La résidence d'origine de l'armée des monstres abandonnée depuis longtemps en faveur du bizarre. On entre dans la zone, oui. Et on va voir ce qu'on va pouvoir y découvrir. On va faire une petite sauvegarde. Ça commence bien. Des objets cachés. Cellule d'énergie, dollars et un mégot. Ça, c'est un peu nul. Oui, on va pirater l'ordinateur, bien évidemment. Voilà, très bien. On avance. Rejeter la serrure. Le truc d'intello. Oh, il se passe des choses là. Ah, petite sauvegarde. Allez, on pirate. Ouais, c'est pas mes potes ici. Tessa. Alors, tout le monde se met accroupi pour commencer. Toi aussi. Tessa, bien évidemment, accroupi également. Est-ce que toi, tu vas pouvoir tirer? Non. Avec ça. Voilà. Ça, c'est mieux. Ah, il y a des tourelles. Qui c'est qui fait de la mécanique ici là? C'était ça, j'avais oublié. Ok. Allez. Ça c'est pas mal, on en a quand même tué un. Ah, presque. Hein. Un peu plus de puissance de feu, on aurait réussi à tous les dézinguer. C'est dommage. C'est presque dommage. Insuffisant. Si toi tu nous fais un truc dans le genre. Ouais, t'étais pas où il fallait. Ah, je suis dégoûté. Bon. Allez, viens ici. On va tester ça.
ici, et ici, t'es pleinement protégé. Oui, t'es pleinement protégé. Allez. Au cas où, on va quand même te protéger un petit peu plus. Allez, 8 PA. Fin de tour. Honnêtement, ça va. On s'en sort plutôt bien. Bon, les chats... bon. Voilà, quoi. Il y a un toaster. C'est cool les toasters. Quoi? Cible bloquée. Tu peux tirer dessus? Ouais. Non? Allez, on vient. Les gars là. Sort bien. Tu vas peut-être même tirer. Cool. On va faire ça du coup. Tu as complètement raté ton tir. Mais dans le genre complètement, c'était complètement. Tu peux venir là. Ça. Ouais, tu peux venir là. Tu vas pouvoir le tirer dessus. Si je fais ça, ça suffira pas. Je serai pas assez près en fait. Du 95. Allez, on va tester. Fin de tour, j'étais pas confiant du tout. Heureusement, j'ai mon petit chat. Le petit chat qui a terminé le boulot. C'est très bien. Alors, on va venir fouiller les cadavres. Qu'est-ce qu'on a? Camelot. Camelot. Que de la camelot. Beaucoup de camelot. Toujours plus de camelot. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vendues? Ouais, tout ça c'est de la camelot, ok. Ouais, les jetons comme ça, faut pas vendre. Hein. Ensuite, ici on a un tas à fouiller. Que de la camelot. Et de l'argent. Réparation de grille-pain, oui, bien évidemment.
Qu'est-ce qu'on a eu? Le grille-pain sensuel, livre de connaissances. Capsule de plasma. C'est quoi ce truc? Ouais, c'était un peu nul, hein. On va venir réparer ici. C'est alimenté. Parfait. On va venir par là. Lucia, tu peux venir aussi, hein. On va sauvegarder ici. Alors là, il y a quelque chose. De la camelote, de l'argent. Un récipient. Crochetage, oui, on va le faire. Alors, électrocasque, casque de niveau 10. Émet une décharge électrique autour de l'utilisateur. 32 à 44 à 48 points de dégâts. Applique électrocution. Note de l'armée des monstres. Un briscotte, des munitions et un mod. Ok, ça c'est quoi? Ok. Ça m'a l'air intéressant ce qui vient de se passer. Ici, il y aura peut-être la même chose. Piège détecté. Petite sauvegarde, hein. On peut la désamorcer. Ouais. Piège détecté. On continue à avancer. On va revenir ici. Que de la camelote. On peut désamorcer encore la mine. Très bien. Alors, une porte ici. Aïe. Avec un... Je sais pas trop quoi. Allez les gars, on remonte. Ce qu'on va faire... tout le monde va se mettre accroupi. Tu vas venir là, tu t'accroupis et t'es ça, tu t'apprêtes à tirer. Ok, là je pense que normalement le combat devrait pas durer bien longtemps. On fait plus 30% de dégâts. Encore. Voilà. Lucia. Là, on est bien. Quan. Si t'as une arme à énergie, hein. Et tu vas terminer le boulot. Parfait. Rest in peace. Allez, tout le monde se relève. On va aller fouiller. Condensateur fondu et matrice LED. Que de la camelote. De l'argent donc. On a beaucoup de choses ici. Une porte. Donc faut qu'on puisse faire ces deux là. Si on fait ça. Piège détecté. Ok. Crocheté, serrure niveau 8. Waouh! Le dernier a été fait. Pirater l'ordinateur. Ça c'est fait. Ici, pirater l'ordinateur. Ok.
bien raté celui-ci. Magnifique. Du coup, on peut avancer par là. Faire attention aux pièges. Si on fait ça, il se passe quoi? Il en manque donc plus qu'un. Alors, caisse médicale, on prend. Parfait. Munitions aussi, on va prendre. Très bien. Par contre, ce que j'aimerais que tu fasses, du coup, enfin, ce que j'aimerais que vous fassiez, mon équipe, est-ce qu'on va aller s'occuper de cette porte-là? Ah, c'est pas qu'une simple pièce. Sauteur. Hein. Là, il y a du monde en fait. Alors, Victoria, on s'agenouille. Non. On s'agenouille aussi. C'est Pyrrhus qui va y aller. T'es ça du coup. On peut déjà en tuer une. Non, tu pouvais pas. Oh. Pire, est-ce que tu viens là? Tu te mets comme ça. Et quand ça va passer, ça va faire boum. Il y en avait beaucoup plus que prévu en fait. Toi, du coup. Ça serait bien que tu remontes ici. On va faire ça. Ça, c'était pas mal. On va attendre que ça réplique. Faire. On va attendre. Et vous allez attendre également. Allez, ceux-là ils vont se planter. Désolé, il y en a un qui a pris, il a même pris très cher. Ça par contre c'était mon cool. Obusite.
Toi, t'as eu quoi? Trousse de secours encore? Oh là là. Ah, on commence à en utiliser beaucoup, hein. Va falloir refaire le plein, hein. Thank you, Kyle. Wow. Je l'avais pas vu venir, ça. Mais bon. C'est quand même une victoire. On va récupérer la camelote. Voilà. On a tout pris. Allez, les gars, on avance. Une espèce de garage. C'était quoi? 6 circulaires, de l'argent. Une caisse d'armes, oui, on prend. Armure tank, plastron, armure plus 9. Récipient, du dollar, les petites voitures. Caisse médicale, ah bah oui. Évidemment qu'on prend, ça nous intéresse énormément. Même si c'était pas vraiment ce qu'on attendait. On va venir par là. Du coup, on va revenir ici. Le passage est ouvert ici. On va quand même avancer par là. On va faire une petite sauvegarde. On va avancer par ici. On a vu qu'il y avait des explosifs à désamorcer. Voilà. On aime désamorcer les explosifs. Des pièges détectés. Ok. Un ici. Deux ici. C'est chouette ça quand ça marche. Crochetage. Qu'est-ce qu'on a? Lunette expérimentale, œil de lynx, mode d'arme, lunette, probabilité de coup critique plus 6%. Nice. On va désamorcer celui-là. On dirait qu'il y en a deux autres là. Mais, peut-être que j'hallucine. Hein. On va sauvegarder. On va aller prendre le récipient. Le masque du loup, d'enregistrement antique du tout premier chef de l'armée des loups. Sachet de popcorn vide, grenade IEM, de l'argent et des dents humaines. Look, I know what you're thinking. It's a fucking dime store mask, a kid's toy. Am I right? Here's the thing. It ain't about the fake fur or the rubber teeth. It's what's behind the mask that scares the shit out of people. You put that mask on, and you're invisible. You can do anything, and I mean anything. When they look at you, they may not see the monster at first, but they will. It's just a matter of time. Now put that fucking thing on and go scare the shit out of some people. Alors là, je pense qu'on risque d'être mal. On va faire ça. Ouvrir la porte. Bobine de fil. Bah ouais, elles sont là. Hein. Chien perceur. Électrochien. Aïe 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 aïe. Alors, Pyrus. Tu te mets ici. Comme ça. Victoria ici. Ah, c'est des robots. Portée 6 mètres. On va sauvegarder.
ici. Je vais te mettre comme ça. Vous, vous allez vous mettre ici. Marshall, pareil. Ici. Lucia, ici. Comme ça. Tessa, tu vas venir derrière. C'est bon ça. Donc quoi tu vas tirer? 95%. Allez. T'es prête. C'est ça comme arme que tu as. Tu fais feu. Oh, magnifique. On en a eu un direct. Là, franchement. Aucune cible à portée. Sérieux? Attends. Comment ça peut ne pas être à portée? Sérieusement. Bon. On va essayer sans être à portée alors, hein. Ça. Forcément un coup critique, oui. Ça, toi, pareil. 95%. Il reste toi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Dead. Armure endommagée. Alors. Sérieusement. Toi. Toi aussi tu l'as? Non. Toi tu l'as. Ok. Piratage de robot. Raté. Bon. Ça commence bien. Tu tires là-dessus. Sérieux, s'il y prend. Non, là il y prend pas. Ça, c'était chouette. Ici. 61. Rêve. Là, tu viens là. Et voilà. Combat terminé. Bien joué les gens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va fouiller. Plus de contrôle. Ok. Trois plus de contrôle. Bon.
C'était naze. Boîte d'alcool. On s'en fout, mais ça fera de l'argent. Ici. Ah, caisse médicale et boîte de munitions. Oui, ça on veut. Trousse de suture. Boîte de munitions. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Toi, t'es déjà fouillé, non ? Pourtant, hein. T'es considéré que oui. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a ? De la camelote, de l'argent. Un sac en toile. Avec dedans. Percer le patient. Poupée effrayante. Perception. Pénétration plus 1. Pour tous les membres de l'escouade. On prend. Petit bonus permanent pour tout le monde. Les bobines de fil. Objet clé de mission, on revient à Eidolon. Parfait. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Blindage de véhicule en alliage. Amélioration de véhicule. Oh. 250 de constitution, 60 d'armure, mais vitesse de combat moins 0,80. D'accord. Un cocktail molotov. Une petite arme pas terrible. Des munitions. De l'argent. Et enfin, un mode de plastron. Voilà. Eh bien, on a terminé cet endroit. C'est parfait. Ouais, on a tout vidé, hein. Ici. Ouais. Là, on était descendu au garage. Donc oui, on va pouvoir repartir. Ça aurait été une bonne exploration que cette zone-là. Donc ça c'est bon. Ensuite il y avait un rachat hostile. Ça c'est niveau 9. Hein. La prime de l'esclavagiste. Revenir à l'Eidolon. On va faire ça. Voulez-vous vraiment aller au Colorado? Oui. Et on va retourner au bizarre, où là on terminera la quête du cinéma. Et on se préparera pour la quête rachat hostile. Citizens of Colorado, this is your patriarch, wishing you safety and warmth on this. Ennemi repéré. Survie 4. Intérieur du bizarre. Alors, si beaucoup font la file pour entrer au bizarre, c'est en grande partie à cause des nouilles de Masato. Mais Masato ne travaille plus au bizarre. Maintenant, il travaille pour nous, chez nous, au QG des Rangers. Alors, on va commencer par l'Eidolon, histoire d'en terminer avec ça. Sanctified with blood, blood sanctified by guns. Oui.
Thank you for your help. Mais de rien. Heidi has the best shows. Hey Dylan, salut, comment tu vas? Our clown slaying knights in shining armor. You honor us by visiting our little theater. On a les bombes du bunker, mais elles ont l'air assez abîmées. Let's see what we've got here. Damn, this looks pretty bad. Bah ouais, mais bon, j'ai pas pu faire mieux. Est-ce qu'elles sont encore utilisables? Where there's a will, there's a way. Just stand over there and look cute while I check this out. D'accord. Votre verdict? Well, I won't lie. They aren't exactly what I was hoping for. But we can salvage this. Ah, bien ça. So here's what I'm thinking. The film is falling apart, and I can't get a full show out of any of them. But I'm seeing bits and pieces that we could totally use with a bit of imagination. Ah bah voilà. Let's examine the reels together, and we'll come up with a story worthy of chicks flicks. Here, look at these. Do you see a good main character? Il y a un homme qui fuit un rocher, il a un chapeau et un fouet. Deux flics, l'un plus âgé avec une moustache, l'autre avec une glorieuse coupe de mulet. Non, ça. Un chapeau et un fouet. Perfect start. Then a sultry priestess pulls him aside and ties him up with the whip. Yes, a story of a forbidden love between two people so different, yet irresistibly attracted to one another. Tout de suite. Pouf. That's a great setup, but we need to decide where it takes place. Here, look over these reels. Alors, une voiture qui roule sur une route, la foudre s'abat et la voiture accélère à une vitesse insensée. Il y a un bateau en bois, un bateau pirate, caché dans une grotte renfermant un trésor. Ah, c'est cool ça. Oh, I see, pirates. That's great. Okay, so our main character escapes with the treasure and sets himself up as a body pirate king who conquers a rival armada by ensuring they're too sexed up to complain. Now, for the pièce de résistance, my lovelies. Some of these old reels still have semi-legible labels. Give it your best shot. Sex me up a title. Ah, rien que ça. À la poursuite des bijoux de famille, allez. Poetic. Oh, I see you have some beauties of your own with you. What do you think? Could one of your gorgeous friends star in our premiere? Wouldn't be long, I promise. Non, merci, notre travail est fait. A job well done, you. Okay, everyone, places. Our audience awaits. What's that? A script? Darling, we don't need those. Ladies, gents, that was everything a simple man could... Now, don't you think your 80 would forget your dues? You've been such a big help, Sugar Pies. So here's your reward. Come talk to me later to see how we got on. Pièce de véhicule okay. De... Ah bah oui, l'ornement guitare, c'est vrai. Ah, push it! Push it! Okay. Ah, how delightful to see you again, my music. Allez, come back real soon. Du coup, si en termes de réputation, on est là. Alors, notoriété, armée des monstres. Adoré. C'est bien, ça va me faire des grosses ristournes, ça. N'est-ce pas? Guns, sanctified. Hello again, strangers. Certainly. Est-ce qu'il y aura des choses intéressantes? Lance-flamme, roquette, canon à maison, roquette à sabot, ça c'est chouette. Hein. Écorcheur, fusil d'assaut, mais ça c'est électrique.
Autovolver. Waouh. Ça a l'air d'être bien, bien sympa, ça. Celui-là aussi, un blaster phasique. Mitrailleuse de l'armée, mitrailleuse lourde. 27-38. Pour l'instant, on va rester comme ça. Guns sanctified with blood, blood sanctified by guns. Un jeune Vincent. C'est toi qui a remplacé Masato, du coup. Ah, welcome to Young Vincent's. Yup. T'as des rumeurs? No. Pourquoi? Because I'm not old yet. Nope. Got a business to... Yes. D'accord. Voilà. On va aller voir. We should get something hot to drink for the ici. Get your protective gear here. So the beasties in the war and just a bunch of clowns. That's why I'm here. Rien de nouveau. Mais des armures de troopers. +4 vitesse de combat. Jambière sauvage. D'accord. Moi je préfère trouver le matériel plutôt que de l'acheter à de rares occasions. On va sauvegarder. The celebrated heroes of the bizarre. Valet, champagne. Oh, right. I don't have a valet. Landy, the mechanic, yes. He is a genius. So young, but already the cars of the world. They travaille pour les Rangers. It is good that you understand respect. Such courtesy is so lack continue. Alors, Charlie Knowles et son cartel comptent vous évincer et prendre le contrôle du bizarre. Yes, I know of him. The tongue of a jester, but will not hesitate to kill for his boss. Oust here can only mean to kill us all. Tout à fait. I thank you for showing this loyalty to the bazaar. Here is a small sum, but this is the bazaar. Donc on doit faire Charlie Knowles. Enjoy the Monster Army hospitality, because you've earned it. You saved the bazaar. Lambs turned heroes. Et pas qu'une fois en plus, hein. Mais moi, je suis pas fan du cartel, donc par voie de conséquence. We'll come back on our way out. Mais voilà, on aura déjà bien avancé dans cette vidéo. Qui aura pris presque 2 heures. Hein. C'est quand même pas mal. Dans la prochaine, on commencera à donner nos petits points ici. Et puis on ira s'occuper comment dire, d'un rachat très hostile. Ce qui est déjà pas mal. Et puis après, on verra ce qu'on peut faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, voire à vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne. Comme ça, vous ne raterez rien de son contenu. Et bien évidemment, n'oubliez pas de partager car vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.